Yep. Allez. Alors, je regarde déjà si j'ai tout ouvert. Donc, bien mon avis. Avec mon. Et mon serveur. Donc, localhost 80. Et j'ai bien. Là. Donc on va attaquer la troisième. Donc on avait attaqué la première partie de la troisième séquence. Là on va continuer donc sur la deuxième partie de la troisième séquence intitulée et passer des datas entre les composants. Alors là on va voir à peu près 2 ans. Où on va voir, on devrait voir normalement, alors de sûr, parce que ça c'est la partie qu'on va voir présent, donc passer les datas entre les composants, ensuite émettre des événements vers des composants parents, créer des composants flexibles en utilisant les slots, un petit résumé de la partie 3 et le quiz. Résumé de la troisième séquence et le quiz de la troisième séquence. Une troisième séquence. Allez, on va attaquer rapidement. Ça, on va essayer d'avancer un maximum sur cette formation où il nous restera une dernière séquence. MBKDF60, salut, bienvenue et merci pour le follow. Merci, merci. Donc je disais donc qu'il nous restera encore une séquence où on verra donc les principes de state management, les data stores centralisés avec Vue X, récupérer les données depuis Vue X, modifier des données dans Vue X et le résumé de la partie 4, le quiz de la résumé de la séquence 4, quiz séquence 4 et le résumé du cours dans son intégralité. Allez, on attaque. Je commence à vous faire la lecture. Si des fois il y a besoin de vous faire un petit peu des copier-coller, je vous mettrai ça sur ici, à ce niveau-là, sur Visual Code. S'il y a besoin de voir un petit peu ce que ça donne, je vous afficherai ici Firefox. S'il y a besoin d'avoir un petit peu, il y a des exemples que je ne vais pas mettre en application, sauvegarder et ensuite voilà, sauvegarder pour pouvoir vous montrer sur le navigateur. Je vous ferai des petits copier-coller dans le Visual Code pour que vous puissiez un petit peu voir de quoi je parle. Allez, on attaque donc cette partie, passer des stats
passer les data pardon, entre les composants. Dans les chapitres précédents, vous avez appris à utiliser les props pour passer les données vers un composant. Cependant, cela n'était qu'une utilisation basique des props. Que se passe-t-il si nous voulions être plus explicites sur le type de données qui doivent être passées? Si nous voulions nous assurer que le props est passé en continu pour que notre composant bénéficie des propriétés dont il a besoin. Jetons un œil à tout ça. Alors, je vous mets la vidéo, j'espère que le son sera suffisamment fort. Je vais vérifier tout déjà au niveau de mélangeur de volume. Chrome, ça peut. Ah oui, je le vois pas parce que j'ai pas lancé la vidéo. Quand vous définissez. J'ai juste lancé la vidéo pour que je puisse voir. Voilà, dans mon mélangeur Chrome, le son devrait être plutôt pas mal. Si des fois vous voyez que c'est pas suffisamment fort ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ou trop fort. Des props pour votre composant, c'est. Voilà, je remets depuis le début. Voilà. Quand vous définissez des props pour votre composant, c'est important de leur attacher un type. Dans notre exemple Hello World, vous pouvez voir que message est du type string. Concrètement, à chaque fois, ça va vérifier que la donnée qui est passée est bien du type string. On peut faire un test simple. Si ici, on change notre type en number, on voit qu'une erreur apparaît directement dans notre console. Cette erreur nous dit que la prop message est d'un type incorrect. Les props peuvent prendre de nombreux types de données, comme object ou array. Vous pouvez aussi faire des configurations plus complexes avec les props que la définition du type. Pour ça, il faut lui passer un objet, on remet notre type à string, et on peut aussi préciser si la prop est requise ou non avec la clé required. Ici, on met la clé required à true. Dans ce cas, si quelqu'un tente d'utiliser un composant sans la prop, comme on peut le faire ici, une erreur va s'afficher. Donc là, je n'ai pas d'erreur. Je supprime. On a bien l'erreur. Mais vous pouvez aussi passer une valeur par défaut à votre prop. Donc je fais ça avec la clé default. On met hello open class homes. Toujours avec un petit emoji. Je sauvegarde. La valeur par défaut s'affiche, même si la prop n'a pas été précisée dans le composant. Et puisque ici, on a passé une valeur par défaut, on peut supprimer required, qui est bien inutile. Ok. Ok, alors je vais voir si j'avais déjà fait... un Hello World qui sont juste. Non, j'ai pas mon exemple, il faut... c'est pas bien grave. Donc du coup, effectivement, on voit la définition d'un props. On avait donc un objet, on avait donc une définition avec un string. Donc effectivement, le fait que en changeant le type passer donc dans l'appel de la fonction, c'est du texte. Effectivement, on a eu une erreur une fois qu'on l'a passé en number. On va montrer donc une définition un peu plus complexe faite des props. En accolade, la props, type de classe est sur du string avec le period. On a ensuite supprimé le fait qu'on mettait le contenu par défaut si des fois il n'était pas utilisé.
Voilà, donc ça c'était un petit rappel, je pense, rapide des fonctionnements basiques, la déclaration basique. Oops. Je continue. Alors là, j'imagine que le texte qui va sur la vidéo va un petit peu nous résumer ce qu'on vient de voir. Je regarde rapidement. Un petit peu des compléments. On a un petit peu des compléments en termes de déclaration. Je vous lis tout de suite la suite. Donc, définissez des props en tant qu'objet. Alors, petite précision, je ne vous affiche toujours pas la page HTML, quoi, la page de la formation qui est sur Forms. Parce que j'attends une réponse de leur part pour savoir s'ils voient aucun inconvénient à ce que je diffuse en live. En sachant que les cours sont gratuits, hein. Les notifications sont payantes, mais les cours sont gratuits. Donc j'attends malgré tout la réponse, parce que je ne vais pas mettre un porte-à-faux avec toi. Donc je vais vous faire uniquement la lecture et on écoutera uniquement le son des vidéos. J'essaie la plupart du temps de vous faire des copier-coller des contenus qui seraient éventuellement pertinents pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je raconte et illustrer les textes. Pour illustrer, souvent ils ont des petits bouts de code que je ne vais pas exécuter, du moins que je ne vais pas mettre dans un fichier que je vais exécuter sur le serveur, parce que ça vaut pas le coup et que c'est juste un exemple pour illustrer voilà le texte et les paragraphes qu'il y a juste autour. Alors, définissez les props en tant qu'objet. Définir des props comme un simple tableau de chaîne de caractères a l'avantage d'être facile à lire et à comprendre. Mais ça manque justement de complexité. Or, nous avons besoin de complexité pour nous assurer que nos props fonctionnent comme nous le souhaitons, peu importe qui utilise la prop. Par exemple, dans le code ci-dessous, vous remarquerez que les composants prennent trois props différentes. Alors, je vais faire un copier-coller tout de suite et je vous le mets sur code pour que vous puissiez voir. Hop, donc ça c'est le code qui nous met en exemple. Donc par exemple dans le code ci-dessous, vous remarquerez que les composants ont trois props différentes. List, title et count. Donc effectivement, on voit bien, vous voyez bien à ce niveau-là. Alors j'essaie de positionner en même temps ma souris. Moi, je suis sur ma page web, là, que je suis en train de lire, mais je vois que le curseur est sur le visual code. Donc, effectivement, ici, sur la définition de notre props, donc on a bien list, title et count. Cependant, ces props ont des exigences spécifiques qui posent problème. Par exemple, title devrait être une string. List devrait posséder un comportement itératif, comme un array ou un objet. Plutôt que d'espérer que ce soit bien les bonnes données qui sont passées, croisant les doigts, ce serait quand même bien mieux de pouvoir empêcher le mauvais type de données de passer. C'est un petit peu la base de toutes les définitions des fonctions. On ne peut pas se permettre d'écrire sans faire des vérifications basiques de ce type, parce qu'on va rencontrer même dans nos tests problèmes pour éviter et écarter tout ce genre de problèmes typiques, pas checker, vérifier les types qu'on passe à chacune de nos variables et dans nos fonctions. Et bien c'est possible en définissant des props à l'aide d'un objet au lieu d'un tableau de chaîne de caractères. Si on a d'autres, on a donc notre CESRAM57, salut, bienvenue et merci pour le follow. Merci, ça fait plaisir. Donc je vous ai mis cette fois donc la partie du code qui nous intéresse. Donc je reprends juste mon petit blabla juste au-dessus. Donc plutôt que de désespérer que ce soit bien les bonnes données qui sont passées, croisant les doigts, ce serait quand même bien mieux de pouvoir empêcher le mauvais type de données de passer. Et bien, c'est possible en définissant des props à l'aide d'un objet au lieu d'un tableau de chaîne de caractères.
Donc effectivement, comme on voit juste ici, salut, bienvenue. Bienvenue. Alors écoute, c'est de la découverte de UJS, donc il faudra pas me demander de conseils ou de l'aide. Je parcours cette formation UJS proposée par Open Classrooms. Et du coup, ben, je fais ça avec avec les personnes qui passent sur la chaîne. Et voilà, je découvre. Alors, jusqu'à présent, j'ai beaucoup plus eu de viewers qui sont passés pour me dire, pour m'apporter un petit peu des tips et des petites infos et des astuces ou des façons de faire, m'apporter voilà, des compléments d'informations sur ce que j'étais en train de découvrir. Donc voilà, donc là c'est le déroulé, c'est que j'avance tout doucement sur cette partie-là. Donc effectivement, on voit ici que la définition des props, on les a passés, alors je vais passer mon curseur comme il faut. Ici, on les a déclarés comme des objets qui vont nous permettre effectivement de pouvoir, comme on a vu précédemment, bien indiquer le type. Éventuellement, si c'est une variable qui est variate ou justement passer une valeur par défaut et bien plus. Ouais, bah écoute, bienvenue si tu découvres. Alors moi, le Vue.js, j'ai découvert le toujours sur Open Classroom et mes amis donc qui m'ont conseillé donc le React Native ou pour faire des applications mobiles, où j'ai été vraiment très très séduit par fonctionnement React Native et un petit peu dans la continuité, on m'avait parlé aussi un petit peu de Vue.js. Je bosse avec des devs qui font de l'Angular aussi, et je voulais justement un petit peu voir cette partie Vue.js qui me semblait plutôt sympa. Et parce que dans la boîte dans laquelle je travaille, ça fait des années, quoi, ça fait longtemps qu'on est sur de l'Angular, et je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner de Vue.js, voir être en capacité éventuellement de dire, ah bah tiens, j'ai vu ça et ça me paraît pas mal sur ce type de langage. Donc je découvre Total. Donc allez, on continue. Donc ici, la valeur de props est un objet. Non. Les propriétés de cet objet correspondent à chacun des props souhaités utiliser. Pour cela, à chaque fois, une clé correspondant au nom de la prop, par exemple list, à laquelle est associé un objet, servira à définir la configuration de l'objet. Effectivement. Là, on liste nos props et on a donc notre objet list, avec les accolades qui permet après de faire des définitions précises de cet objet. Donc comme je vous l'ai dit, nous voulons éviter de recevoir le mauvais type de données dans chaque prop. Il faut donc commencer par configurer le type de prop attendu avec la clé type, qui prend comme valeur type de données JavaScript. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Eh ben, du coup, je vous montre tout de suite. Donc cette fameuse ici, donc on a effectivement nos objets, donc on retrouve bien nos objets donc avec list, title et count, et effectivement on peut voir que les types ont été définis array, string et number. Donc là, pas de grosses difficultés. Pour en voir une liste complète des différents types de props, consultez la documentation officielle. Alors, pour le coup, chaque fois que, surtout au premier stream que j'ai fait sur la première partie, on m'a tari d'éloge la documentation de Vue.js. Dans la formation, il disait qu'elle était exceptionnelle. J'ai pas pris la lettre, l'expression exceptionnelle, parce que je me suis dit, bon, ben, le gars essaie de vendre malgré tout sa formation. Mais derrière, j'ai eu d'autres confirmations de viewers qui m'ont dit que, pour le coup, la documentation était extrêmement bien faite et repris en termes d'exceptionnel. Donc, c'est une très très bonne chose.
c'est hyper important aujourd'hui dans un langage que on ait une documentation qui soit suffisamment agréable et pour pouvoir évoluer et trouver des solutions à ces problèmes. Alors, je continue ma lecture. Par ailleurs, si notre composant a besoin de certains props pour fonctionner ou avoir l'apparence souhaitée, ce serait génial de pouvoir la configurer aussi. Si vous dites ça, c'est que vu rend cela possible. Il suffit d'ajouter la clé required, comme évidemment, qui prend un booléen en valeur dans notre objet de configuration. Donc, ce qui donne ceci. Donc, effectivement, là, pour le coup, on a uniquement notre objet title qui est required. Les autres ne le sont pas. Par défaut, la valeur required est false. Qui est bon à savoir, effectivement. Ok, par défaut, elle est à false. Cet objet nous permet même de définir une valeur par défaut sur les propriétés afin de fournir un contenu par défaut. Dans le cas où le prop n'est jamais défini. Pour cela, il vous suffit de préciser la clé default et de lui associer la valeur souhaitée selon vos besoins. Dans notre exemple, cela pourrait ressembler à ce qui suit. Donc, ce que je vais tout de suite. C'est-à-dire qu'on a Donc on a notre type array avec une définition par défaut. On avait notre title qui était required et là on retrouve notre object count qui est en défaut à 1. Vous avez peut-être remarqué que array a une valeur par défaut qui utilise une fonction anonyme pour retourner un tableau vide. Ouais, effectivement. Donc c'est là, c'est ce qu'on voit. Code. C'est ce qu'on voit ici. Donc ici, en fait, on a une fonction qui retourne un tableau vide. Donc je reprends ma lecture. Donc, vous avez peut-être remarqué que array a une valeur par défaut qui utilise une fonction anonyme pour retourner un tableau vide. Nous ne l'aborderons pas dans ce cours, mais sachez que les valeurs par défaut des arrays et des objets doivent être retournées par une fonction pour que cela fonctionne correctement. Effectivement. Ok. On a un petit résumé. Donc, petit résumé de cette partie. Dans ce chapitre, vous avez acquis les connaissances pour. Alors, qui c'est un grand mot, mais au moins on a vu. Donc, définir des props à l'aide d'un objet. Définir des types de props pour minimiser les bugs potentiels. On va donc bien indiquer le type de chaque prop. Éventuellement indiquer utiliser les props required et définir une valeur par défaut sur une prop. Allez, j'ai terminé ce chapitre et je passe au suivant. Donc, la partie suivante, émettre des événements vers des composants parents. Alors, on va, à mon sens, survoler très très rapidement. Je vois qu'il n'y a pas de... Si, il y a une vidéo. Tant que ça charge. Oh. Ok, bah parfait. Donc, émettre des événements vers des composants parents. Nous avons beaucoup appris sur la façon de communiquer depuis les composants parents vers les composants enfants. Mais qu'en est-il ? Communication vers les parents. La manière la plus courante est d'émettre des événements personnalisés. Réviser les événements. En développement web, les événements qui me renvoient JavaScript. Block événement, okay. Sont des actions ou des occurrences qui se produisent pendant l'utilisation d'un site web. Voici des exemples courants d'événements. Allez. Où ces exemples, je vais vous les mettre ici, comme ça vous allez pouvoir en profiter en même temps.
Donc, lorsqu'un utilisateur clique sur un élément, ça, effectivement, on connaît. Lorsqu'un utilisateur appuie sur une touche du clavier, lorsqu'un formulaire est soumis, non, le formulaire, oui, effectivement, quand on fait de la saisie, lorsque la fenêtre d'un navigateur est redimensionnée. Lorsque ces actions se produisent, des événements sont émis afin que nous puissions y répondre en utilisant des techniques comme les gestionnaires d'événements. Un objet événement, event object, est alors automatiquement passé aux événements. Il contiendra des fonctionnalités supplémentaires ou des informations sur l'événement. Par exemple, lorsqu'un utilisateur appuie sur une touche du clavier, l'objet événement peut nous indiquer quelle touche a été actionnée. Effectivement, créer un événement personnalisé. Le monde du front-end, gestion des événements, est répandu. Comme nous l'avons vu précédemment, avec la directive V-on, nous pouvons facilement écouter des événements courants et déclencher des fonctions à volonté. Cependant, ce serait bien pratique de pouvoir définir propres événements personnalisés faisant l'objet d'une émission. Heureusement, c'est très facile à réaliser avec la fonctionnalité intégrée. Alors là, pour le coup, j'ai un dollar emit de vue. Voyons cela en action. Donc du coup, là, j'ai ma petite vidéo. Je vais essayer, on va l'écouter. On va la suivre, on va l'écouter. Et de toute façon, après, je vais avoir le détail. On va revoir tout ça en détail. Et copier-coller, justement, des contenus. Allez, c'est parti. Voyons maintenant comment créer un événement personnalisé. Pour ça, j'ai une simple app créée avec VueCLI, avec le composant app.vue, et deux composants personnalisés, receiver et radio. Dans le composant receiver, vous pouvez voir qu'il y a le composant radio, qui sera le composant enfant. Le receiver sera donc le composant parent. On veut que le receiver puisse recevoir un message depuis la radio. La radio doit donc être capable de modifier le message du receiver. Pour ça, on va commencer par ajouter la directive VON sur le bouton. Et donc, quand il y a un clic qui va être effectué, ça va envoyer un message. On a donc besoin maintenant d'ajouter la propriété méthode. Et on déclare sendMessage. Ici, on peut utiliser this.$emit. This.$emit prend en paramètre tout d'abord le nom de l'événement qui est émis, donc message sent, et le payload. Le payload prend la plupart du temps un objet parce que ça nous permet d'envoyer autant de données que l'on souhaite. Donc message. Et ici, je vais mettre mon magnifique message avec un emoji. On retourne maintenant dans le receiver. Et ici, on va à nouveau utiliser la directive VON pour écouter le message qui est émis depuis la radio. Donc, message sent. Et là, ça va déclencher la méthode pour mettre à jour notre message, donc update message. Je rajoute ici aussi methods. Et j'y mets la méthode update message qui prend en paramètre un payload et elle va mettre à jour le message, this.message, avec la payload.message. Je sauvegarde. Et maintenant, quand je clique, mon magnifique message apparaît bien. Ok. Alors, je vais voir si... rapidement, le reste du texte, voir si... si j'ai du... Si je dois me remettre en vidéo pour... Je vais voir. Alors, utiliser $emit. La fonction $emit prend deux paramètres. Le nom de l'événement qui doit être défini, kebab case, et un
payload optionnel que vous pouvez utiliser pour passer des données à l'écouteur de l'événement. Alors ici, alors, attendez, j'ai le compte. Alors, je vais tac tac. Donc attendez. J'ai mon compte. Hop. Donc ça, c'est donc notre fichier source child component. On a donc notre template avec notre bouton, notre événement, clic. Emit custom event. Event, donc notre bouton. Avec notre méthode emit custom event qu'on retrouve ici, avec le this.$emit, où on a donc notre custom-event-name et donc la mise à jour du message, mon message personnalisé. Ici donc. Et donc custom event méthode qu'on trouve ici, notre $emit qu'on trouve là, custom-event name et notre message personnalisé. Okay. Ensuite, le payload est généralement défini comme un objet. Cela permet de passer autant de propriétés que souhaiter à travers un seul événement. Bon, c'est pratique. Écoutez et répondez à un événement émis. Une fois qu'un événement est émis, le composant parent qui utilise le composant enfant est capable d'écouter l'événement via la directive v-on. Pour cela, vous devez 1. Ajouter un écouteur d'événement listener v-on avec le nom de l'événement. Personnaliser sur le composant émettant l'événement. 2. Lui assigner une méthode recevant le payload comme premier argument s'il existe. Donc là, pour le coup, on va avoir maintenant notre composant. Check. Alors, le et on a donc ici ce menu, où on a notre template, notre div, notre paragraphe avec ici notre message qui est affiché, avec les fameuses moustaches. Donc écoute les événements personnalisés et y assigne une méthode. Donc ici on a notre child component avec la base custom-event-name et le fameux setMessage. On retrouve notre méthode ici, setMessage avec le payload. This.message est égal au message. Hop, ok. Attention, cependant, cette technique ne fonctionne que lorsqu'on communique directement depuis un composant enfant vers un composant parent. Autre terme, ne vous attendez pas à ce que votre événement soit émis dans l'ensemble de l'application. Bien de le nier, ça évite de tourner en rond et essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre événement. Alors, ensuite, en résumé, dans ce chapitre, vous avez appris à donc définir, je vais vous le mettre, tac, ici. Donc dans ce chapitre, vous avez appris à définir des événements personnalisés dans les composants
émettre des événements personnalisés à partir de composants enfants et écouter des événements personnalisés à partir de composants. Je viens. Ah oui, émettre des événements. Là, j'étais pour l'instant, pour le coup, en train de me dire, j'ai autre chose. Non. On a émettre des événements personnalisés à partir de composants enfants et écouter des événements personnalisés à partir de composants parents. Non, je me trompe peut-être. Utiliser le payload des événements personnalisés pour effectuer des actions supplémentaires. Ok. Bon, effectivement, là, c'est un survol assez rapide de cette partie-là. On verra si, si on revient dessus par la suite, justement, sur d'autres parties de la formation, si on va être amené justement, je pense qu'on va être amené justement à faire passe un petit peu sur tout et en réutilisant toutes ces parties là. Donc on arrive sur la dernière partie de cette troisième séquence qui va donc aborder donc créer des composants flexibles en utilisant les slots. Allez, c'est parti. Même si les props sont très puissants, elles ajoutent un niveau de complexité dans l'interaction avec un composant, puisqu'elles demandent un certain niveau de connaissance afin d'utiliser le composant de manière adéquate. De plus, on peut facilement retrouver au milieu d'un bazar de props lorsqu'un composant a besoin de plusieurs props pour fonctionner correctement. Ce que je vais faire, cas où les voilà. Passe par là et ne comprend pas du tout de quoi on est en train de parler. Je vous mets ici donc le sujet de cette partie qui est donc créer des composants flexibles en utilisant les slots. Alors ici, il me montre un petit exemple avec un custom-banner. Je vais vous l'afficher juste en dessous. Donc on a un petit exemple de custom. Fonction custom donc tiré banner avec un size small, left tiré icon info, texte hello. Dans le cas où votre composant nécessiterait une solution plus flexible, Vue peut vous aider avec la technique des slots. Bon, là on a un custom. Et on a une petite vidéo justement qui va nous apporter un petit peu de précision sur ce sujet. Et on écoute. Les props constituent un très bon moyen de passer des données à un composant enfant. Mais passer un certain cap, ça devient assez difficile à maintenir. Il nous faut une meilleure technique. Comme on peut le voir dans cet exemple de bannière personnalisée que j'ai appelé Custom Props, même s'il n'y a que 5 props, le template qui gère tout ça paraît surchargé et donc assez difficile à lire. Heureusement, Vue nous offre une technique flexible pour ajouter un contenu sans avoir à configurer de nombreuses props. La technique dont je vous parle est celle des slots. En ajoutant un élément slot dans votre composant, ça permet à n'importe qui, un autre développeur par exemple, d'y mettre du HTML sans avoir à configurer les props. On va mettre tout ça en pratique dès maintenant dans Custom Banner. On va tout d'abord retirer la ligne du milieu et on va la remplacer par slot. Donc, je viens dans app.vue et je vais récupérer mon contenu HTML. Je le mets ici. Donc, je remplace left icon right icon et le texte. Et voilà, avec juste un slot, ça m'a permis de rendre mon code beaucoup plus lisible. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire quand vous voulez ajouter un deuxième slot. C'est simple. Pour ça, il vous faut utiliser la propriété name. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, utilisons dès maintenant un nouveau slot
auquel on passe la propriété name, top. Je retourne dans app.vue et ici je vais rajouter template auquel j'utilise la directive vslot et je lui passe top. Donc à l'intérieur, je récupère mon contenu HTML, je remplace top icon et ça marche bien comme on voulait. Profitons-en maintenant pour refactorer également la ligne du bas. Donc ici, on rajoute un slot ici. Slot auquel je passe le name bottom. Je retourne dans app.vue. Maintenant, un template vslot bottom. Et je mets mon contenu. Je mets mon contenu, donc span, et je mets bottom icon, que je mets ici, et on peut même en profiter pour supprimer nos props dans custom banner. Et voilà, notre bannière a bien l'apparence souhaitée, et on a évité d'utiliser plein de props dans tous les sens. Ok. Alors c'est vrai que c'est ce qui n'aime pas très. Je regardais juste après. Ouais, vous voyez la suite là. Juste ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remettre cette vidéo pour que ce soit beaucoup plus explicite pour basculer. Sur le code. Les props constituent un très bon moyen de passer des données à un composant en fond. Mais passer un certain cap, ça devient assez difficile à maintenir. Il nous faut une meilleure technique. Comme on peut le voir dans cet exemple de bannière personnalisée que j'ai appelé Custom Props, même s'il n'y a que 5 props, le template qui gère tout ça paraît surchargé et donc assez difficile à lire. Heureusement, Vue nous offre une technique flexible pour ajouter un contenu sans avoir à configurer de nombreuses props. La technique dont je vous parle est celle des slots. En ajoutant un élément slot dans votre composant, ça permet à n'importe qui, un autre développeur par exemple, d'y mettre du HTML sans avoir à configurer les props. On va mettre tout ça en pratique dès maintenant dans Custom Banner. On va tout d'abord retirer la ligne du milieu et on va la remplacer par slot. Donc, je viens dans app.vue et je vais récupérer mon contenu HTML. Je le mets ici. Donc, je remplace left icon right icon
et le texte. Et voilà, avec juste un slot, ça m'a permis de rendre mon code beaucoup plus lisible. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire quand vous voulez ajouter un deuxième slot. C'est simple, pour ça, il vous faut utiliser la propriété name. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, utilisons dès maintenant un nouveau slot auquel on passe la propriété name, top. Je retourne dans app.vue et ici je vais rajouter template auquel j'utilise la directive vslot et je lui passe top. Donc à l'intérieur, je récupère mon contenu HTML, je remplace top icon. Et ça marche bien comme on voulait. Profitons-en maintenant pour refactorer également la ligne du bas. Donc ici, on rajoute un slot ici. Slot auquel je passe le name bottom. Je retourne dans app.vue. Maintenant, un template vslot bottom. Et je mets mon contenu. Je mets mon contenu. Donc span. Et je mets bottom icon. Que je mets ici et on peut même en profiter pour supprimer nos props dans Custom Banner. Et voilà, notre bannière a bien l'apparence souhaitée et on a évité d'utiliser plein de props dans tous les sens. Ok, j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. Ouais, ça permet de voir un petit peu mieux comprendre ce qui est fait. Donc, découvrez les slots. L'élément slot sert d'emplacement pour un contenu que les développeurs peuvent définir dynamiquement sans props prédéterminés. Prenons un exemple à l'aide du composant Custom Banner. Nous voulons que l'utilisateur puisse définir différentes bannières personnalisées. L'idée ici est justement d'éviter bazar de props. Par exemple, imaginons que nous voulions que notre composant Custom Banners rende le résultat suivant. Avec notre Custom Banner, on va dire donc le résultat suivant. Donc avec notre div. Un d'information ici, ensuite div all name warning bannière de warning name warning. Voilà. Ok, si cela avait été réalisé uniquement avec des props, le résultat pourrait ressembler à ceci. Donc si on avait utilisé uniquement des props, on aurait ce résultat. Notre custom banner, notre size, donc size, all, left icon, all, texte, égal, bannière, information. Et donc ensuite on définit un autre custom banner avec un size small, icon warning, action, icon warning. Plus important encore, le bloc template du custom banner ressemblerait à ceci. Donc, est-ce que
qui ressemblerait donc à ceci. Classe égale size. Notre paragraphe, icône, if. Notre texte, icône, condition. Name, write, icône. Même dans cet exemple simple, le bloc template semble déjà assez difficile à lire. Alors que si on avait utilisé des slots, donc, ce que je vais faire, ou pas. Ok, bon, mais tant pis. Ça, tac. Donc, tac, 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 même dans l'exemple suivant, simple. Donc, le bloc template semble déjà assez difficile à lire, alors que si on avait utilisé les slots, on aurait quelque chose qui ressemble à ceci. Effectivement, on aurait notre template, on retrouve notre div avec deux points classe égale size, et là, on aurait notre division, notre composant. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le slot devient un espace ouvert. Le développeur peut passer n'importe quel contenu personnalisé, sans avoir besoin d'utiliser un grand nombre de conditions pour gérer différentes scènes, scénarios de props. Définissez le contenu par défaut d'un slot. De la même façon qu'il est possible de définir une valeur par défaut pour les props, vous pouvez également définir le contenu par défaut d'un slot. C'est particulièrement utile lorsque vous souhaitez afficher un contenu standard, à moins que le développeur définisse un contenu personnalisé. Pour donner un contenu par défaut à notre custom banner, tout ce que nous avons à faire est de placer le contenu par défaut à l'intérieur des balises slot dans le bloc template. Ici, chose qui ressemble à ça. Découvrez comment utiliser plusieurs slots. Vous vous demandez peut-être aussi, et si je veux utiliser plusieurs slots dans un composant? Ce serait une excellente question. Prenons l'exemple d'un simple composant card. Ici, à l'exemple du composant card. On a l'exemple du composant card ici. Hop. Dans ce composant, nous utilisons des props pour effectuer la configuration. Nous savons que cela est un cauchemar à gérer s'il s'agrandit. Ici, trois slots différents pourraient être définis par un développeur. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin de slots nommés. Les slots nommés nous permettent d'attribuer des noms aux slots, afin que les développeurs puissent y référer plus tard. Si dans l'instance de notre composant code,
nous donnons simplement une prop name à chaque slot. Faire ceci, c'est-à-dire qu'on a ici donc notre template, notre div class card, notre slot, notre premier slot donc avec le name title, titre de la carte, notre slot avec le name text, texte de la carte, et notre slot name action avec action. Ici. Lorsque nous voulons invoquer notre composant à partir de la V2.6 de Vue.js et plus, il suffit d'utiliser la directive v-slot sur un élément template comme ceci. Là. Voilà pour le coup, là je suis sur le bon fichier, mais au moins ça vous donc on a notre template, on retrouve ici notre card, notre template pour le vslot title qu'on a vu tout à l'heure avec le contenu, donc un h3 avec donner des noms au slot utile, un autre template avec le v-slot texte avec dedans donc un paragraphe. Maintenant on peut ajouter ce que l'on veut ici en donnant le nom du slot, notre template vslot de point action avec ici donc une balise A avec un href JS bon pour l'instant, et donc il va faire un lien sur le texte en savoir plus. Ok. Alors, petit résumé de cette partie. Hop. Ici, petit résumé de cette partie. Donc, dans ce chapitre, vous avez découvert les difficultés induites par le bazar des props. Effectivement, quand on a trop de props, c'est pour éviter de s'en mêler les pinceaux. La définition de slots sur des composants, très très utile. La définition de contenu par défaut dans les slots. Et l'utilisation de slots nommés pour gérer plusieurs slots. Ça effectivement, il n'y avait pas de grosses difficultés au niveau de la compréhension. Effectivement, c'est une partie qu'on a volée assez rapidement, mais qui mérite de ne pas être vraiment très très très. Okay. Allez, j'ai terminé ce chapitre et je passe au suivant. Donc là, je devrais arriver sur la partie résumée de cette troisième séquence. Résumé très très court. Nous avons abordé de nombreux concepts essentiels. Vous êtes maintenant plus que capable de créer des applications robustes avec Vue.js. Alors, ça me semble quand même un petit peu rapide de conclure ce genre de choses, mais bon, on a quand même vu pas mal de petits trucs. Tirer parti des différentes stratégies CSS pour gérer les styles, concevoir des composants réutilisables avec une architecture basée sur les composants, bon, utiliser des techniques comme les props et les slots pour communiquer des données aux composants enfants, émettre des événements à partir de composants enfants pour communiquer avec les composants parents. La prochaine partie du cours aborde un concept intermédiaire recommandé si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de gérer les données pour une application plus conséquente, comme pourrait l'être une application en prod d'une entreprise. Cependant, j'insiste sur ce point, vous avez déjà à ce stade ce qu'il vous faut pour être un développeur Vue.js productif et créer de superbes applications web. Ça permet d'en douter un petit peu, parce qu'on a quand même malgré tout, on a survolé très très rapidement
pas mal de notions. Il faut dans tous les cas, effectivement, si on les a vues, dire qu'on est à l'aise avec. Hein. Ça demande quand même beaucoup de pratique. Donc avant d'acquérir cette aisance-là, il va falloir quand même encore un peu pratiquer. Malgré tout, on a compris le concept, on a compris le fonctionnement. Allez, j'ai terminé le chapitre. Alors là, je pense que je vais passer au petit quiz pour valider cette troisième séquence. Alors, je vais voir. Hein. Comme d'habitude, je regarde rapido les questions. Si il faut que j'y reste trop longtemps dessus, je zappe et je passe au début de la dernière séquence. Alors, si vous souhaitez passer les données aux enfants, quelle technique de utiliser? Si on utilise. Méthode. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y, n'hésitez pas. Question 2. Il y a actuellement un bug dans notre application. Comme vous le voyez ci-dessous, un composant affiche différents types de données dans le message, tels que les arrays et les objets. Alors, j'ai un petit... Voilà, j'ai un petit script qui m'est proposé ici. Donc, avec un template, ici, notre graph, notre script, est-ce default. Ça. Quel est le meilleur moyen d'éviter ce problème? Définir la propriété required. Hop, définir le type propriété avec valeur string, définir une propriété default dans le prop et définir un nom de prop personnalisé qui indique aux autres développeurs et que des chaînes de caractères. String. Question 3. Un développeur essaie d'utiliser les techniques SCSS dans le bloc de code ci-dessous. Alors, si. Donc, qu'est-ce qu'il a mal fait, le bonhomme? Donc, il a essayé de définir... Donc un développeur a essayé d'utiliser les techniques SCSS dans le bloc de code ci-dessous. Qu'a-t-il mal fait? Il doit ajouter l'attribut SCSS au bloc style. Il doit ajouter l'attribut lang égale SCSS au bloc style. Il doit envelopper les styles dans un bloc SCSS. Ou il doit ajouter l'attribut préprocesseur égale SCSS au bloc style. Tic, 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 tic. Donc, j'en étais ici. Donc là, qu'est-ce qui lui manque? S'il... CSS. Et comme c'est un ça. Question 4. Question oui, donc en fait une c'est le problème ça. Ensuite, question 4. Quelle méthode a permis de générer le CSS suivant? C'est du... Alors, picoler, tac. Donc, quelle méthode a permis de générer le CSS suivant? Donc, vous voyez qu'on est...
Scoped CSS, il me semble. Question 5. Lorsqu'un composant enfant doit transmettre des données à son parent, quelle technique est-il possible d'utiliser? Props, les événements personnalisés, les slots, les propriétés calculées. On a dit un composant enfant doit transmettre des données à son parent. Quelle technique, je dirais? Attendez, j'ai quoi comme choix? Hop, c'est venu. C'est pas. Quelle version de Vue.js? Attends. C'est. Attends. C'est pas grave. Allez. Ça. La 4.5.9. 4.5.9. Alors, moi j'utilise la 4.5.9. Maintenant, je pense que le cours n'a pas forcément été. Non, il n'a pas été fait sur cette version, ça j'en ai quasiment sûr. Il a, malgré tout, il a été mis à jour il n'y a pas longtemps. Hein. Deux ou trois, ouais, là, donc. Voilà, bon, là, j'ai 4, 5, 9. Du coup, alors, attends. Et où très compliqué. Posant truc. Et c'est non, c'est un événement personnalisé. Pour pouvoir émettre vers des enfants. En question 6, quelle méthodologie a été utilisée pour générer le CSS suivant? Ah, est-ce que je me serais tout à l'heure? Attends, je suis en train de relire mon relire.
parce que j'ai sur les j'ai des questions sur les types CSS. Très. Dans la style. Donc, lorsque vous définissez un événement personnalisé, outre le nom de l'événement, quel autre paramètre pouvez-vous également définir ? Lorsque vous définissez un. Quel autre. Lorsque c'est un événement. Défini. Ah ouais, on a le. Quels sont les avant-slots ? Attention, plusieurs réponses possibles. Ça donne accès à une API. Développeur C1. Différentes configurations sans avoir. Ops. Ça permet au développeur de designer l'endroit où le. On peut voir le questionnaire. Alors, le truc, c'est que là, pour l'instant, le questionnaire, je sais pas trop. Quoi, je sais pas que je sais pas trop. C'est que tant que j'ai pas eu de retour d'Open Classroom, je lis les questions et je les différentes réponses. Je pense pas que ça, quoi, voilà, je veux pas non plus que ça pose problème au niveau des, quoi, des par rapport, surtout par rapport au questionnaire avec les personnes derrière et les réponses ça. Donc pour l'instant je fais mes c'est pour ça que je fais assez rapidement mon petit questionnaire. Je réfléchis à voix haute, mais j'évite de trop voilà, de montrer mes réponses et les résultats. Je verrai après par la suite selon les me répond Open Classroom si je voilà si je peux diffuser complètement les pages début jusqu'à la fin, à voir. Donc là, ben, pour le coup aujourd'hui, là pour ce quiz, ben, je ferai du blabla et je réfléchirai à voix haute. Donc quels sont les avantages des slots ? Donc j'ai 4 réponses possibles. Ça donne accès à une API flexible permettant aux développeurs de placer du contenu. Il permet de créer différentes configurations sans avoir à fournir plusieurs props. Ça permet aux développeurs de designer l'endroit où leur contenu apparaîtra de manière intuitive avec des emplacements nommés. Les slots garantissent que tous les contenus fournis entre les balises d'ouverture et fermeture d'un module est supprimé. Des phrases, je les comprends pas très bien. Il faut que je les relise plusieurs fois avant de. Avant. Tac, tac, tac. Allez, on va vider, on verra bien. Si des fois j'ai truc, on saura. Bon, pour le coup, j'ai validé la partie. Je me suis vautré sur. Tiens, je me suis vautré sur une question. Donc il y avait
8 questions. Je me suis vautré sur une seule question et c'est vraiment pas celle où je pensais me vautrer. Ok. Bah, tellement sûr de moi. Là. Ok. Bon, ben, pour le coup, j'ai validé cette troisième séquence. Et je passe à la suite. Alors. Allez, 15h20. Plus de café. Je vais... Attendez. Là, du coup, on attaque la quatrième et dernière séquence où on va voir, alors rapidement, du coup, je vais vous dire ce qu'on va aborder. On va aborder les principes de Stat Management. Ensuite, les data stores centralisés avec Vuex. Récupérer des données depuis Vuex et modifier des données dans Vuex. Vuex, je ne sais même pas où parle. What is Vuex? What is Vuex? Alors, Vuex is a stat management pattern for Vue.js applications. Serves centralized for all the component application rules ensure that the state can only be muted predictable action. This is also integrated with Vue's DevTools extension to provide advanced features such as zero config, time travel, debugging, and stat snapshot export import. Ok. J'ai commencé par le stat management. Oh, I speak English so little. Donc, découvrez le principe de stat management. Allez, hop. Voilà, je remets ici, comme ça, vous savez de quoi on parle. Ça, non, je ne sais pas ça. Et voilà. Donc, découvrez le principe de stat management. Donc, lorsque l'on travaille avec des applications monopage, SPA, le concept de stat management, gestion d'état, est un sujet couramment abordé. Et même si ce sujet peut souvent mener à des discussions très complexes, le principal objectif recherché par tous est le suivant. S'assurer que l'application utilise les bonnes données à tout moment. Voilà l'objectif principal de tout le monde. On va œuvrer à ça, c'est-à-dire s'assurer que l'application utilise les bonnes données à tout moment de sa vie et de son fonctionnement. Sur cette base, nous pouvons définir le state, ou état en français, comme un instantané du data store à un moment donné. Multiples states sont utilisés à travers une application, ce qui explique la complexité inhérente à la gestion de ces éléments. Après tout, chaque composant utilisé contient sa propre propriété data. Chaque composant a sa propre propriété data, ce qui signifie qu'il gère son propre state. Une fois que l'on ajoute la complexité du passage de données entre composants,
cela devient effectivement très compliqué. Pour illustrer cela, combien y a-t-il d'instances de state représentées dans l'exemple suivant ? Alors, c'est le fichier qui représente l'exemple que j'ai. Alors attendez, que je fasse un. Donc on met. Et ici, on me propose donc l'exemple suivant, où on a donc un template avec mon div, avec mon title, ma liste avec ici mon dans list item, ici mon before list, donc la clé item. Et ici donc on importe notre composant list view export list notre data return list pomme banane cerise page title ok. À première vue, il semblerait qu'il y ait deux instances d'état. Composant parent grocery list et le composant enfant list item. Donc on a notre list. Ici. Donc notre glossary ici et notre composant qui est list item. Pourtant, il s'avère que nous sommes en présence de quatre instances de state au total. On a grocery list, on a list item, item égale pomme, list item, item égale banane. Et list item, item égale cerise. Pour comprendre cela, imaginez que le composant list item ait été défini comme suite. Est-ce que c'est un peu. Alors, je vais quand même vous mettre ici. Ensemble, list item. Donc. Parce que je vais faire ça. Je n'ai pas créé déjà. Donc, on va créer ici un fichier. Donc, list. On a vu. Quel on va mettre ceci. Et donc, on a bien notre. Donc notre div avec notre input box modèle label item export default ici notre objet avec list item donc c'est props item donc qui est de type string et notre data tourne false. Hop. Ça. Comme vous pouvez l'imaginer, chaque article de grocery list doit pouvoir gérer le fait qu'il a été acheté ou non. Si les composants enfants partageaient un state unique, alors le fait de cocher un seul article mettrait automatiquement à jour les autres composants. C'est ce genre d'utilisation. Récupérez vos data à la source unique de vérité. Récupérez vos data à la source unique de vérité. Dans les discussions autour de la gestion du state et parmi les termes couramment cités,
apparaît l'idée d'une source unique de vérité, qui est aussi parfois abrégée en SSOT, pour Single Source of Truth. Concept fondamental derrière une source unique de vérité est d'éviter la duplication inutile de données dans l'application. Effectivement, si on peut éviter qu'une donnée se duplique et qu'une seule de ces deux données soit mise à jour et que du coup on perde la notion de données uniques et de sources de vérité comme là, c'est vraiment le principe de base, c'est-à-dire qu'une application va fonctionner sur tour de données. Les données vont transiter et il faut que la source de données soit unique et qu'elle soit valide. Bien que cela puisse paraître atteint, à première vue, le fait de stocker plusieurs copies des mêmes données dans une application est souvent la principale cause de bugs dans un système, car cela permet l'existence de différents jeux, mêmes données en même temps. Voilà. Le fait de dupliquer une donnée qui sert la même chose, vraiment catastrophique pour une gestion des états, une gestion des données. Au lieu de n'avoir à mettre à jour qu'un seul jeu de données, l'application devra gérer plusieurs jeux de données, qui est problématique, car du point de vue du code, cela s'avère bien plus difficile à gérer, car il existe une dépendance facile d'oublier que le système se complexifie. Ça, c'est tout à fait vrai. Et ça, même si on est, si on a une méthodologie de développement où on est très strict, notation sur la mise en place de données ou de cahier des charges sur lequel on va avoir toutes données derrière, l'architecture hier de hier, c'est fondamental d'avoir qu'on ait une source unique de données et qu'on évite de dupliquer les données, si ce n'est éventuellement pour observer, pour avoir un système de brouillon. Même à ce stade-là, les données seront deux versions. Même à ce stade-là, les données seront bien identifiées telles que dans des versions différentes ou des brouillons. Et de toute façon, les données qu'on affiche en production, elles soient issues d'un seul et même source. Comme effectivement a été abordé, dépendance, voilà, effectivement, il faut éviter dépendance. Dès qu'on va avoir des dépendances à droite et à gauche, on aura tendance, quand le produit va se complexifier, on va avoir tendance à oublier. Ça, c'est indéniable. Ça va être un bug. On doit retourner toute l'application compte en compte pour retrouver l'origine de ce bug. Ça, parce qu'on a oublié ce qui existait dans un coin. Passons, bref. Donc, c'est pour cette raison que le concept de source unique de vérité est essentiel au succès de tout système de gestion du state. Voilà. C'est intéressant et important de souligner pour la source de données. Donc, en résumé, sur cette première partie de cette dernière séquence, dans notre vision du système de gestionnaire de state idéal, ce dernier devrait être capable de créer un espace de stockage de données unique qui servira source unique de vérité, ou, on l'a vu, SSOT pour Single Source of Truth, pour toutes les données partagées. Permettre à n'importe quel composant de récupérer des données directement et permettre à n'importe quel composant de modifier le data store unique directement. On est censé voir là effectivement qu'à présent je me faisais des petits copier-coller. Tac, tac. Hop, voici voilà.
Donc, je relis, dans notre vision du système de gestionnaire de stats idéal, ce dernier devrait être capable de créer donc un espace de stockage de données unique qui servira de source unique de vérité pour toutes les données partagées, de permettre à n'importe quel composant de récupérer des données directement, et permettre à n'importe quel composant de modifier le data store unique directement. Alors, ça, c'était le petit résumé de la première partie. Là, on va passer à ce qu'on a abordé rapidement. On a abordé ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était le fameux Vuex. On va voir ce que c'est et à quoi ça ressemble. Allez, j'ai terminé ce chapitre et je passe au suivant. Donc, maintenant, on va... Et cette partie. Donc, créer un data store centralisé avec Vuex. Et pour le coup, là, c'est le départ. Ouais, oui, c'est vrai, effectivement, c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est mieux quand on voit ce que je... Alors, c'est... Voilà, ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure, c'est un petit peu... Voilà, j'ai fait une demande à Open Classroom à savoir si je peux montrer les contenus des cours sur le stream et des vidéos. Donc, tout à l'heure, j'ai montré une vidéo parce qu'elle était très, très explicite. Bon, voilà. J'ai fait une demande dans ce sens-là pour savoir si je peux montrer. Alors, il est clair que les QCM, je ne montrerai pas les QCM et je ne donnerai pas les réponses. Je dirais juste, je lèverai les bras si je l'ai passé correctement et je petite larmounette si des fois je l'ai enfoiré. Mais voilà, donc j'ai fait une demande dans ce sens-là. Pour l'instant, je fais des petits copier-coller, des parties de script et de texte qui sont sens pertinent. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir sous les yeux ce que je lis. Pas faire pour l'intégralité, donc j'espère que j'aurai une réponse assez rapide. Donc voilà, j'espère avoir une réponse incessamment sous peu pour pouvoir faire les formations, streamer mes formations et y avoir un petit peu l'interaction comme ça et pouvoir vous montrer certaines parties pour de l'égalité. Allez, je continue sur cette partie Vuex qui me... Je suis assez curieux, je connais pas du tout. Donc, il va y avoir de l'installation. Super, cool. Alors, Vuex est un gestionnaire d'état et une bibliothèque pour les applications Vue.js. D'autres termes, le but unique Vuex est de vous aider à créer un store centralisé qui nous permettra d'avoir cette source unique de vérité récupérer nos données. Ok. De data. Installer Vuex. Grâce à Vucli, il suffit d'exécuter la commande suivante dans notre terminal pour ajouter Vuex à notre projet. Allez. Ça tout de suite. Donc, je me mets ici. Donc, on va faire Vue add. Vuex. Donc, installing. Donc là, je vous passe tous les blabla, toutes les lignes, parce qu'il est en train du coup de télécharger. Télécharger. Extension. Successfully install. Begin. Invoke générique. Vuex install. Additional sees. Paquets. Ok. Running complete hook. Successfully invoked generator. Ok. Ah, attendez.
Désolé, petit coup de téléphone. Je commence à faire. Tiens. J'aurais pu profiter pour me faire chauffer. Alors, excusez-moi. Petit aparté. Donc, j'ai installé ici. Check. Partage ça, mais je vais le faire parce qu'il y a. 100. J'ai donc installé mon. Hop là. Mon Vuex. Donc, avec ma commande, comme il me l'indique ici. Donc, voilà la petite commande qu'il faut exécuter dans le dossier du projet. Avec une ligne de. Avec la console, donc vue add vue ex, donc il faut bien le faire dans le dossier du projet pour que ça ajoute pour qu'on installe le plugin pour ce projet là. Alors tac, la suite. Donc une fois vue ex ajouté, votre application par vue cli, vous devriez voir un résultat similaire dans votre terminal. Grossièrement, après ça, oui. Donc cela signifie que Vuex est bien installé dans votre application. Tout ça en un clic. On s'en sort bien. Non. Maintenant, voyons voir quels changements ont été apportés à notre application. Donc je vais aller voir. Maintenant, ils me disent d'aller voir ça. Donc dans main, dans source et main. Voter, qu'est-ce qu'ils me disent? Donc on devrait avoir, en regardant le fichier main.js de plus près, vous remarquerez que le plugin a introduit le store. Est-ce que c'est le cas? Exact, on a le store. Donc on avait, quand on a introduit le routeur pour le menu, donc on a eu effectivement le routeur qui s'était déclaré ici, et là maintenant on a le store qui vient de se déclarer. Donc là, donc vous remarquerez que le plugin a introduit le store en tant que nouvelle configuration sur notre instance de vue. De la même manière que nous configurions une propriété data pour mettre en place un nouveau data store, vous pouvez considérer cette propriété store comme le data store global que nous allons configurer avec Vuex. Jetons un œil au fichier dans lequel toute la magie Vuex a lieu, donc qui est donc dans source-store.js. Source, store.js, là j'ai mon store. Application. À moins que maintenant ça soit dans store et dans. Oui, alors il me parle de source et store.js et en dessous rencontrer store. En fait, il me parle du dossier store et index.js. Là où. À mon avis, c'est une évolution. Pas vu de store.js. Bref. Donc, en parcourant store dans donc store/index.js, vous remarquerez une nouvelle ligne de code que nous avions pas encore rencontré, qu'un vue.use parenthèse vuex. Alors est-ce qu'on joue? Oui, on a le vue ici, vue.use parenthèse vuex. Cette syntaxe est utilisée pour le système de plugin vue. Cette méthode permet d'ajouter une fonctionnalité globale à notre instance de vue. Comme notre but est d'ajouter un data store global dans notre application, le système de plugin est parfait pour ajouter Vuex à notre application.
Ensuite, comme pour la mise en place d'une nouvelle instance de vue avec new vue, vuex est installé de la même manière avec new vue.store. Parenthèse. Et vous pouvez également lui passer donc ça. On disait ça. Donc ça pour déclarer donc new vuex.store. Et vous pouvez également lui passer l'option de configuration exactement comme pour une nouvelle instance de vue. Là, on va aborder le sujet de configurer de la configuration de Vuex. Comme nous le voyons donc dans le fichier ici index.js dans store, l'initialisation d'un nouveau store Vuex ne nécessite qu'une seule configuration. Initialisation Vuex ne nécessite qu'une seule configuration. Cela se fait par un objet contenant trois clés. Donc, state, la mutation et l'action. C'est ce qu'on a ici. Hop. Et là. Donc, le state, la mutation, l'action, et on a une partie. Ok. Ok, bon, j'imagine qu'on verra. Donc là, on a fini cette partie-là. Je pense qu'on va voir ici. En résumé, tac, 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 tac. Donc, en résumé, ici. Dans ce chapitre, nous avons appris ce qu'est Vuex, donc une bibliothèque de gestion d'état permettant de créer un store centralisé qui deviendra la seule source de vérité de notre app. Comment installer Vuex sur notre application? Donc, ici, commande exécutée dans la console en administrateur. Et tous les droits possibles sur l'installation. Lors de l'installation, pardon, et on a vu aussi le fonctionnement de la structure de Vuex avec notre fameux index.js où on parle ici de la configuration, on parle de state, de mutation et d'action, et là pour le coup aussi des modules. Ok. Allez, on passe à la partie suivante. Qui justement va parler de la partie. Donc là, on a créé notre store avec Vuex et là, on va récupérer les données depuis Vuex. Maintenant que nous avons installé Vuex dans notre application, il est temps nous de comprendre son fonctionnement. Et comme Vuex nous sert Tor global, nous devrions commencer par apprendre dès maintenant comment stocker et récupérer les données qui s'y trouvent. Stocker des données dans Vuex. Dans Vuex, notre data store est défini en tant que state. Dans l'objet de configuration, donc index.js qui se trouve dans store. Donc, c'est ce qu'on a ici. Il s'agit d'un nouveau terme à apprendre. Vous pouvez comparer cela à la propriété data que nous utilisons depuis le début. On a une petite vidéo. Pour le coup, la petite vidéo, je vous l'affiche. Vous là, et on va la regarder et on va l'écouter. Pour créer un data store dans Vuex, il suffit de définir des paires clés-valeurs dans le state. Comme vous pouvez le voir ici, on va le faire avec le jour, le mois et l'année. Donc day, month, year, je sauvegarde.
Pour récupérer vos données depuis le state de Vuex, vous pouvez y accéder avec $store.state. Et vous pouvez y ajouter n'importe quelle propriété dont vous avez besoin. Utilisons ça dès maintenant. Donc, $store.state.day. Et je reconstitue la date complète. La date s'affiche bien. Un des avantages de stocker nos données dans le state Vuex, c'est que n'importe quel composant peut y avoir accès, que ce soit un composant enfant ou un composant parent. Je peux réutiliser ce morceau de code directement dans mon composant Hello World. Vous voyez, ça s'affiche bien. Pour ceux qui se demandent comment garder un template le plus propre possible, on peut refactorer notre code en utilisant la fonction mapState qui nous vient de Vuex. Pour ça, on l'importe ici. Et on va l'utiliser avec la syntaxe de décomposition ou spread operator dans Computed. Et je récupère chacun de mes éléments. Ici, je peux supprimer store.state. Ça nous donne accès à notre state sans avoir à écrire le $store.state. C'est quand même plus propre, non? Ok. Ok, alors là on a une petite... Bon, effectivement, semble relativement simple et hyper pratique. Là, j'ai un petit truc qui me compare le state effectivement au data comme on a vu juste au-dessus. Alors lorsqu'il s'agit de stocker des données dans Vuex, c'est aussi simple que d'ajouter des paires de clés valeurs, comme vous le voyez dans tout autre objet JavaScript normal. Satan, petit cœur, salut! Salut, bienvenue! Bienvenue dans cette découverte qui est bientôt terminée, parce qu'on en est à la séquence 4, la dernière séquence, et on approche de la fin. Et si on est en train de voir le Vuex. Donc le X, on est juste en train de voir ça. Merci pour le follow, merci, ça fait plaisir. Merci. Donc voilà, on est en train d'aborder cette partie de Vuex. Alors on a abordé déjà le Vuex, l'installation. Là on est en train de regarder comment récupérer des données depuis Vuex. Donc là on vient de regarder une petite vidéo, je sais pas si tu y es arrivé à ce moment-là. Justement, on nous montrait l'utilisation de Vuex. Et la récupération de données, le refacto que a été proposé avec le map. Alors c'est du Vue, moi la version que j'utilise, c'est la 4.5.9. Maintenant la formation, elle est faite, elle a été mise à jour le 9/11/2020. Je ne sais pas si elle a été mise à jour dans son contenu par rapport à cette version. En bas, si j'ai eu. Ça. Non, je vois pas d'un. Regarde début du cours. Attends, tac tac. Ouais, j'ai pas de. Ouais, Vuex, ça existe.
Ah non, 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 je dis des conneries. Non, 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 excuse-moi. Non, 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 non. Là, je te dis des bêtises. Totale bêtise. Non, non, non. Je confonds avec la version du VueClick que j'ai installé. Du VueCLI qui est en 4.5.9. Ah, quoique, attends, tu me doutes là. Tu me doutes. Si je retourne sur ma console, je fais un Vue-version. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, mais c'est VueCLI du coup. C'est la version de VueCLI. Ouais, c'est le CLI. Ouais, ouais, c'est ça. CLI qui est en 4.5.9. Autant pour moi, désolé. Des excuses. Pas des excuses. Du coup, en quelle version? Ça doit être du 3 alors. Ça doit être 3. Bon, peu importe. Je vais continuer sur mon. Là où j'en étais. Tac, tac, tac. Package.json. Le package.json. Le package, effectivement, sur le package.json. On est en version 3.6.5, c'est ça? Non, 2.6.11. VueX 3.4.0, ouais, c'est la 2, c'est ça, ok. Bien. Ouais, VueClick, un 4.5 et des bananes. Autant pour moi, désolé. Ouvre. Alors, j'en étais où? J'en étais ici. Donc, donc, lorsqu'il s'agit de stocker les données dans VueX, c'est aussi simple que d'ajouter des paires clés-valeurs, comme vous le voyez dans tout autre objet JavaScript normal. Si j'ai un petit exemple code, donc un default new x.store. Avec here. Cela veut dire que je vais tout de même dans le state VueX plutôt que dans le data store des composants. Ah, c'est une question. Il peut paraître tentant de tout mettre dans le store global, pas ce qui est... car une partie de ce qui rend l'architecture par composant aussi puissante, sa capacité de découper un certain nombre de données et de monter les données globales uniquement lorsque vous constatez qu'il est nécessaire d'accéder aux données à partir de plusieurs composants. Ouais, effectivement. Tu as besoin de l'utiliser. Tendance à le mettre effectivement. Que mettre il n'y a pas besoin d'avoir tout dans la ouais, alors attends, hop, j'avance un peu parce que du coup il va bien falloir que j'arrête. Récupérer les données dans VueX. Maintenant que nous savons comment définir les données dans VueX, l'étape suivante consiste naturellement à déterminer comment accéder à nos données depuis notre composant. Il existe deux façons de faire. Donc, utiliser $store. Au fur et à mesure que vous allez approfondir des techniques plus avancées de Vue, que vous développerez vos connaissances, vous découvrirez des propriétés qui sont précédé du symbole dollar. On l'a déjà vu. En voici quelques exemples. Ici. Ça
Tac. Donc on a le dollar, on a le this.dollar option, options. On a le this.dollar prompt. This.dollar children. Il s'agit de propriétés spécifiques à l'instance de vue sur laquelle vous travaillerez. Elles sont précédées du signe dollar afin de garantir que ces méthodes sont bien utilisées comme prévu. Comme notre store, Vue.X est injecté à un niveau global à travers tous nos composants. Cela signifie que nous avons accès à la propriété dollar store qui nous permettra d'accéder directement à Vue.X dans sa totalité. Ok. Si on reprend notre exemple situé plus haut, nous pourrions accéder à notre state via $store par ce qui suit. Donc ici, copier ça. Ici, donc on a notre template, notre paragraphe, la date stockée dans Vue.X et le moustache $store.state.day. Puis ensuite notre tiret $store$state_months et le même pour year. Ça c'est la première façon. Cependant, notre template commence à être un peu encombré. Bon, faut pas abuser. S'il y a une autre façon, autant effectivement, s'il y a une façon pas plus simple mais plus lisible, autant la tester aussi. Il serait pratique d'avoir donc un moyen plus simple de faire référence au store, n'est-ce pas? Eh bien, heureusement, on a donc les map state. Pour utiliser map state, Vue.X nous fournit un moyen d'associer state à des variables que nous pouvons appeler dans notre composant, évitant ainsi de devoir appeler dollar store. Façon effectivement d'aborder. Aborder la chose. Donc avec les map state, cette méthode nous permet de demander à Vue.X les propriétés de state de notre choix et les ajoutera à notre propriété calculée. Donc on a on a ici donc state, cette date là. Et on pourrait donc et également donc ici on l'utilise avec le $store.state.day. Ici on le met donc avec donc il faut qu'on importe effectivement notre map state. Ça c'est Vue.X, hein, qui nous fournit qui était là donc de map state. Dans computed, donc la partie computed, donc on fait un map state, year, months, day, ici. Et du coup, effectivement, pour l'affichage, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus simple à la lecture. C'est-à-dire qu'on va juste, au lieu d'indiquer le $store.state, on aura juste à indiquer donc, le nom de la variable, le day, le month, le year. Qui est mappé ici grâce à notre map state. Vous pouvez remarquer que j'utilise ici la syntaxe de décomposition, spread operation, donc les trois petits points, qu'il y a avant map state. Cela n'est pas obligatoire, mais il est courant d'utiliser cette syntaxe de décomposition pour définir d'autres propriétés calculées. D'accord. En cas de conflit sur les noms, vous aurez peut-être besoin de donner un nom différent à vos variables du state Vue.X dans votre composant, ce qui est facilement réalisable en switchant l'argument depuis un tableau vers un objet, comme ceci. Effectivement, on risque de rencontrer, pour éviter d'avoir des doublons dans les variables. Donc ici, on retrouve notre template. On retrouve donc la date stockée dans Vue.X et on retrouve nos variables qui ont été mappées day, months et year.
On importe notre map state depuis Vuex. Ici, on a notre map state et donc custom year unique months day. Dans cet objet, la clé présente le nouveau nom que vous voulez utiliser pour référencer votre valeur, tandis que la valeur correspond à la propriété de state de Vuex pour référencer. Attendez, je vais relire le truc là. Dans cet objet, la clé représente le nouveau nom que vous voulez utiliser pour référencer votre valeur. Okay. Tandis que la valeur correspondant à la propriété de state Vuex doit référencer. D'accord. Pour plus d'informations sur state dans Vuex, vous pouvez consulter la documentation officielle de state. Ok. Ceci étant dit, vous remarquerez probablement que nous sommes en train d'assembler notre date manuellement. Si cette date était référencée plusieurs endroits dans notre application, cela serait très difficile de maintenir si seulement il existait un moyen de définir des propriétés calculées Store Vuex. Découvrez les getters. Ah, les getters. Je regarde l'heure qu'il est. Tac. Alors, il faudrait que j'arrive à terminer ça, cette partie-là. Allez, on accélère rapido. Les getters. Lorsque store.js est généré base, il laisse de côté une des propriétés qui est très utile dans de nombreux scénarios, les getters ou assesseurs. Assesseurs peuvent être vus comme l'équivalent de la propriété calculée, computed, dans Vue. Petite vidéo. Allez, on se l'écoute. Et on se la regarde. Nous avons vu comment accéder au store de Vuex avec $store.data ou avec MapState. Mais il existe un moyen encore plus propre de faire tout ça. De la même manière qu'on a des propriétés calculées dans Vue, dans Vuex, on a les getters ou accesseurs en français. Pour définir des getters dans Vuex, il suffit d'ajouter une clé getters dans notre store Vuex. Faisons ça dès maintenant. De la même manière que les propriétés calculées, on définit notre getter comme une fonction. Par contre, la principale différence, c'est qu'on doit hériter du state qui est passé en argument. On s'en sert pour récupérer notre state et à partir de là, faire tous les calculs dont on a besoin. Retournons maintenant dans app.vue. Ici, on va commencer par supprimer la date des deux composants pour qu'on voit bien le changement à l'écran. Donc, on supprime ça et on supprime ici aussi. Maintenant, on va ajouter là $store.getters.formatteddate. Je sauvegarde et je le rajoute ici aussi. On voit alors que tout s'affiche comme on le voulait. Comme on l'avait fait avec MapState, Vuex propose également MapGetters qu'on va pouvoir utiliser pour nettoyer un peu notre code. MapGetters qu'on importe ici et on remplace. Et ici, je récupère FormattedDate. Maintenant, vous savez aussi utiliser les getters. Bravo à vous. Oh ! Alors effectivement, c'est très sympa d'utiliser les getters comme ça, qui correspond à l'équivalent dans
Alors notre state, on a les getters, et l'équivalent dans le data, c'est les computed. Bon. Donc la comparaison entre les getters et les computed, cette comparaison montre la manière dont les assesseurs dans un store Vuex correspondent théoriquement à la propriété calculée dans un objet de configuration Vue standard. Ainsi, dans notre exemple de date, voilà la manière avec laquelle définirions notre date formatée. Donc, tac, je vous montre ici. Et donc ici, voilà. Et donc avec notre state, et ici notre getters, où on a notre donc, fonction ici formatée data. Alors, il dans ici dans l'exemple, vous voyez que la une fonction fléchée ici, alors que dans la vidéo on avait une fonction c'est là, c'est une façon différente de décrire. Faut pas que ça vous choque. Ça sera le même. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, chaque assesseur est une fonction qui reçoit le state comme argument de retour, une valeur à laquelle pourront accéder plus tard. Donc on a notre return ici qui est déclaré, notre dollar, et puis entre, attendez, c'est des crochets, entre crochets, donc state.day, notre state.month et notre state.years. Tac, dépêche. Ensuite, nous pouvons simplifier notre code encore davantage dans les composants grâce à MapGetters. Donc, il y a un petit peu l'équivalent de MapState, sauf que c'est pour les getters. Ici, on aurait quelque chose qui ressemble donc. Alors, je vous laisse ici défini. Qui ressemble à ça, c'est-à-dire que on a donc il faut importer effectivement notre MapGetters, toujours from Vuex. Toujours dans la partie computed, ici on fait un map getters de notre formatted date qui nous permet de ne plus écrire donc sous la format, c'est dollar, je veux pas dire de dollar date.store.formatteddata, getters.formatteddata, mais uniquement d'écrire notre formatted date ici. Donc, en outre, comme MapState, MapGetters peut également prendre un objet qui vous permet de définir des noms personnalisés pour les assesseurs que vous référencerez. Pour plus d'informations, blablabla, la documentation officielle sur les assesseurs. Hop, en résumé. Tac. Résumer cette partie. En résumé, dans ce chapitre, vous avez appris à définir le data store dans Vuex avec state, à récupérer des propriétés depuis Vuex dans vos composants avec $store, à définir des propriétés calculées à l'aide d'assesseurs dans Vuex, de récupérer les states depuis Vuex avec MapState et de récupérer des assesseurs depuis Vuex avec MapGetters. Hop, allez, terminé ce chapitre. Je passe au suivant. Alors, je vais vous en dire un petit peu rapido sur ce qu'on va voir pour la suite. Alors, je ne vais pas avoir le temps de voir ça. Ouais, en plus, c'est une partie qui est assez longue. C'est donc hop, la dernière partie qu'on va voir, parce qu'après, ça va être des résumés, des quiz et des résumés du cours. Ce qu'on va voir la prochaine fois, ça va être cette partie-là, c'est-à-dire modifier les données dans Vuex. Donc, ça sera la dernière partie qu'on va voir.
Et ensuite, on passera donc à la résumé de cette dernière séquence, le quiz pour valider cette dernière séquence, et on aura le résumé du cours, donc le résumé, un résumé global de donc des quatre séquences, à savoir donc créer donc la première application JS, stocker et gérer des données, utiliser les directives en vue, ensuite créer un projet avec Vue.cli, faciliter la maintenance grâce aux composants monofichiers, créer une navigation dans votre application, déterminer quand votre code doit s'exécuter, les styles de votre application, passer les data entre les composants et mettre des événements vers des composants parents, créer des composants flexibles en utilisant les slots, découvrir le principe de state management, créer un data store centralisé avec Vue.x, récupérer les données depuis Vue.x et cette partie-là, donc nous allons voir, mettons, je pense, peut-être demain, ou ce soir, ou je pense que ce sera plutôt demain, qui est donc de modifier vos données dans Vue.x, où on verra les mutations, définition de la mutation, acter une mutation, découvrir les actions, donc on verra les mutations, les actions, etc. etc. Je vous en dis pas plus, je garde ça pour demain, et donc ça sera la dernière partie, et on aura validé cette partie-là. Il faut que je vois effectivement si j'ai transféré ma dernière vidéo, mon dernier live sur la chaîne YouTube, pour éventuellement que vous puissiez voir et revoir le live. Donc ce que je vous dis, c'est que je vous dis soit ce soir ou demain pour finir cette formation, et ensuite vous pourrez voir et revoir toutes ces parties là, donc ces premiers lives sur la découverte de Vue.js sur la chaîne YouTube. Vous devez avoir le lien en dessous sur la partie bio, j'imagine. Bon allez, je vous dis bonne fin d'après-midi, bon goûter, parce que c'est l'heure de goûter, faut pas l'oublier ça aussi, bon café ou bon thé, et je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, merci d'être venu, bye bye, à plus, ciao ciao. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.